Hey, salut tout le monde, ici Zang, on se retrouve aujourd'hui pour la presque fin de Plague Tale Innocence. Jeu plutôt sympathique, pas extrêmement compliqué, mais avec une histoire sympatoche. C'est grand. Tu crois Franchement, qu'on va le jeu arriver ne à dure temps pas demain? très très On longtemps, va la donc sortir de là, il est Hugo. sympa à Bon allez, faire. ça Si jamais suffit vous n'avez de pas traîner. regardé toutes les Hey, vidéos, bah, soit je vous invite à le faire pour attends! voir Allez, tu l'intégralité t'obéis, du on va scénario. se calmer. Honnêtement, vous Oui, pouvez regarder on autre peut chose en même enquêter. temps, le C'est pour ça gameplay qu'on n'a est là. pas énormément On était à se d'importance. venger. Ça a Et pour ses qu'elle laisse sympathiques, tomber, on a menti. mais Elle est rare. en jeu On est d'infiltration, invincible. ça ne vaut Oui, pas un c'est un stick, bon ça point. ne vaut pas Merde! un Metal Gear Solid Qu'est-ce ni qui se quoi que ce soit. passe? Mélie, Bref. calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Mélie. Ils. Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Il Mais faudra quoi? faire attention. Il Oh, demande à Mélie, Terra de attends! déboucher l'entrée, je sais pas. Elle est en colère contre moi? Non. Elle est en colère tout court. Mais laisse-lui un peu de temps, Hugo. Ok. Alors, je voudrais bien choper quelques pierres. J'allais dire au moment où je dis ça, il y en a. Eh bien oui, c'est le cas. Mais c'est parfait. Il y a quelques pierres et c'est tant mieux. Ok. Alors. Ça a déjà commencé, vous croyez? J'espère bien, parce que ça grouille de plus en plus dans le coin. Ils sont trois. C'est risqué. Ellie sait ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. Je rêve que ma copine me dise ça. Je plaisante. Ma chérie, si tu écoutes ça, je plaisantais. Ne me tue pas. T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Bon, alors c'est des cuirassés, bien sûr. Merde. Il va les voir. Mais non. Tu peux faire une hey. Petite distraction. Arrêtez. Je vais l'aider. Restez là. D'accord. Bon, on va refaire confiance. Ça nous fait deux mecs en moins. Occupe-toi de lui, toi t'es fini. Alors, y a-t-il des choses à ramasser? Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Du coup, est-ce qu'on peut passer par là ou pas? Non. Ça semblait un peu évident, mais bon. Sait-on jamais. Alors, est-ce que les rats sont encore une menace? Techniquement parlant, oui. Les cloches, la cathédrale, Amicia. Vitalis est là-bas. Alors Mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Alors. Il y a pas mal de loups. L'important c'est que le grand inquisiteur ne la race de la morsure. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Ils sont ici. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Ils veulent pas m'écouter. Ok. Oui, bien sûr. Par contre, maintenant, ils doivent obéir. Voilà. C'est un peu toi? Oui. Ils m'écoutent. Eh ben. Voilà. Alors, vous étiez caché. Vous avez de la chance. Tu veux vraiment y aller? Oh! Pas de problème. C'est bon. Mes petits Rachel. Alors. Ok. Bon, bah, je pense que c'est par là, hein, le passage. Le ciel est plutôt sympatoche. Alors. Ils ont quand même gaffe de ne pas crever. Ok. Elle ne nous mange plus. Non, elle ne nous tue plus. D'accord. Regarde, attention. Alors. Il s'est peut-être trouvé un nouveau protégé.
Oups. Soyons discrets. Ok, bon. Ok. Bon. Bah ça, c'est une mort comme une autre. On s'est pris une petite flèche, bon. Vitalis n'a envoyé personne à sa recherche. Bizarre. Hop. Hop. Fais attention à moi. C'est pas grave. Ça a quand même marché. C'était une méthode un peu bourrine. Mais méthode efficace. Kevin approuve. Alors. On a juste celui à éliminer. Hop. Alors. Est-ce qu'on peut lui leur dire d'aller jusqu'à là-bas? Non. Ok. Ouf. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais là? On a discrétion ou pas? Alors. Ça a marché malgré l'escalier. On vient juste de tuer cette personne. On se laisse pas voir. C'était très mal fait. Faisons les choses intelligemment. Un petit truc au cas où. Laisse-toi faire. Voilà. Monsieur. Ah. Si ça a fonctionné, d'accord. Bon, j'imagine qu'il faut le faire deux fois sur les plus gros. En fait, notre petit frère, c'est une torche. On va monter parce que j'imagine qu'il doit y avoir des choses à récupérer. Pardon. On va trouver un outil. Bon, ouf. C'est quelques loups bien sympathiques. Donc on pouvait libérer ces rats là. Un petit tour complet. Récupérons tout ce qu'il peut y avoir. Ok. On s'en fout de les libérer ici. Pareil ici. Est-ce que ça nous donne accès à quelque chose? Je ne pense pas. Donc je vais continuer par là-bas, j'imagine. Ok. Petit passage sympathique. Allez. Qu'est-ce que vous avez fait?
L'autre est notebook. Ouais, j'aurais dû prendre plus de temps. Tu as une armée de rats. Rodrick, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. À ton signal. Tout seul ? Tu veux le faire ? À main nue. Allez, vas-y. Rodrick, à toi de jouer. Ouais. Quel homme. Quel homme. Attention. Mais quel homme. Alors. Quoi ? 1, 2, 3, 4. Ok. Alors. Ok. Ok. Voilà. On verra si on complique les choses. Ils veulent pas m'écouter. Non. Continuez à chercher, ouvrez les yeux. Hop. C'était là finalement. Hop là. C'est un peu bourrin comme méthode, mais tout efficace. Ah, j'imagine qu'on était censé être un peu. On était censé être plus discret. Désolé le jeu. J'avais des munitions donc autant y aller en mode bourrin. Bon, on va quand même récupérer le loot. Parce que quand même. C'est toujours utile. Et c'est bon, t'as entendu? Oh le petit lag. Toi t'as rien à nous donner? On a vu. Vous êtes vivant. Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale. D'accord. Mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Cette maison donne de l'autre côté. Celle qui brûle, là? On ne peut pas rebrousser chemin. Partez. On vous retrouve de l'autre côté. Faites attention. La maison. Allez. Du coup, j'ai fait demi-tour pour rien. Bon, après, j'ai trouvé du tissu. Alors. Petit retour de flamme ou pas? Je vais l'enfoncer. Vas-y. Saloperie. Tu vas voir. Bon, par contre, je pourrais plus aller en bourrin là. Rodrick, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Ah, éliminer la patrouille. Ok. Bon, ok, c'était encore une fois en mode bourrin et j'aurais pas dû. Mais là où j'ai merdé en fait, c'est que j'aurais dû éteindre toutes les torches d'abord. Alors, si ça se trouve, j'ai le temps de le faire vite fait. Voilà. Déjà, avec tout ça en moins, on devrait un peu mieux s'en sortir. Vas-y. Oh, c'est fermé! Je vais l'enfoncer. Alors. Saloperie! Tu vas voir. Qui arrive? Rodrick, à couvert. Le coup, on s'en charge. Okay. Amusez-vous bien. Ah. Un rat en moins. Un garde en moins. Eh merde.
Ah, fiché. Allez, 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 allez. Allez. Hop. Alors. Ça va. Hop là. Oh bon. Ça va, je crois. C'est bon, Rodrigue. Bon, c'était encore une fois un peu en mode bourrin, mais c'était mieux passé. Bien. Cette fois, ça va marcher. Vous pouvez remarquer la dextérité avec laquelle je m'en suis sorti. Tu parles d'un plan. Non, Amicia, on peut pas. On va brûler. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Bon. Rodrigue, tu nous suis? Jusqu'en enfer. Un chien à trois têtes, c'est dégueulasse. Ok. Bon, bah, par là. Non. Ok. Oh, non, mais je suis con, j'ai un truc qui est à les femmes. Pourtant, c'était évident. Alors. Allez, courage. Tu veux bien y aller? Hop. Vas-y, défonce là, et en feu, c'est pas grave. Le plafond va tomber. Calme-toi. Il ne sert à rien. T'as battu le capitaine de l'Inquisition. T'es un dur à cuire. Plus dur à cuire que moi. Ok. C'est vrai? Je ne mens jamais. Ça doit être la sortie. On referme, à la limite. Bon. Calme pour un jour de miracle. Encore des gardes. Il y en a un. Bon, tu peux t'occuper de lui. Compte sur moi. Ça va. Il y en avait un. J'aurais pas aimé me prendre ce coup-là. Bon, en même temps, tu prends un coup comme ça, tu meurs. Alors... Personne n'aimerait se prendre ce coup. Il y a là en mode bourrin. Peut-on y aller en mode bourrin? C'est quoi? Je pense qu'on pourrait y aller en mode bourrin. Voilà. Le mode bourrin, ça passe. Hé, attendez! Des flèches! À couvert! Des archers! Bien joué, les gars! Ouvrez l'œil surtout! Personne doit s'approcher de la cathédrale! La cathédrale! On est sur la bonne voie! Là-bas! Là! C'est le seul chemin vers la cathédrale! On doit trouver un moyen de passer! Où sont les archers? J'aimerais bien trouver où sont les archers, mais je crois pas qu'on puisse les tuer. Ok, alors peut-on nous fabriquer de nouvelles choses? Visiblement pas de buff possible. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Ouais. Une petite fiole. Je devrais pas. Pourquoi? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Rodrigue? D'accord. Du coup. Ah.
Je n'avais pas vu la petite chaîne. Alors, est-ce que ça nous permet de passer? A priori, oui. Mais c'est un coup de gorge. Non. J'en étais sûr. Roderick, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Allons-y. Ok. C'est pas vrai. C'était sa maison. Roderick. Il reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison? C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines, ils ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais. D'accord, le jeu c'est... D'accord, merci le bureau. Donc on m'annonce que Torchlight est offert. Du coup, retour Windows, désolé. Je suis. Allez. On doit sauver votre mère. Tu vas voir, maman elle est gentille. On partira ensemble. Et on trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Au moment, gros lag. Bon, Torchlight est offert, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a peu de chances que vous puissiez, enfin qu'ils soient encore offerts, étant donné que j'ai tourné cette vidéo il y a 2 semaines. À peu de choses près, j'ai tourné toutes les vidéos de Plague Tale dans un court laps de temps, et vu que j'en sors une par jour, et bien voilà. Rodrigue, mais du coup aujourd'hui, le 17 juillet, Hugo sera à l'abri derrière. Et bien nous avons Torchlight qui est offert, je pense pas que je ferai des vidéos dessus. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. Il se sacrifie. C'est moi qui pousse. Rodrigue, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord, faisons ça. Fais pas pour moi, petit. Non, je peux pas éviter. Non, je peux pas éviter. Des soldats devant nous. Amicia, pour toi. Ok. Amicia. Je m'y attendais pas. La flèche foireuse. Ah non, c'est bon, j'ai pas tout à me retaper. Je vais pas retourner voir la cinématique avec l'autre, on s'en fout un peu. Le chariot. Allez. Roderick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Non, Hugo sera à l'abri derrière. Eh, lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. Je fais mon c'est bonhomme. Moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gars. D'accord, faisons ça. Est-ce qu'on peut déjà éteindre? Du coup, ce sera Rodrin, notre maître à la fin de l'histoire. Ou pas? Ah ouais! Bon, ça rigole pas, j'ai même pas le temps de me détailler une demi-seconde. Je pensais que j'avais le temps de récupérer les pierres et de reculer. Et là, en fait, non, il va juste falloir que je fasse preuve de patience. Sachant que. Rodrick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Quand je joue, c'est Hugo rarement le cas. Je peux être ça, pas sûr pour énormément de choses, mais pas pour reste tout. Derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Rodrick, laisse-moi t'aider. Bon, bah, ce coup-ci, on va essayer de ne pas se laisser tuer. Surveille les gardes. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Rodrick. T'en fais pas pour moi, petit. On va rester derrière cette roue. Allez, on est safe. On va pouvoir la récupérer. Ouais. Amicia. Oup. Ils sont pour toi. Des vrais snipers. Ah, j'ai pas le choix, je vais en mettre derrière. Ok. Viser les pieds! Ah, il s'est quand même pris une flèche! Ouais, hop! Non! Bon. On va la refaire encore une fois! Le chariot! Rodrick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera! Hugo sera à l'abri derrière! Eh! Lâche ça! J'entends y arriver! Qu'est-ce que tu fais? Peut-on le faire? Derrière avec ton frère. C'est est-ce que nous en sommes capables? Rodrick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. J'aimerais bien juste. Faisons ça.
Alors. Donc là, normalement, il s'est prise. Pas celle-là. Mais quel bonhomme. Vraiment. Ok. Amicia, alors là. Rodrigue, lâche ce chariot, je t'en prie. Non. On en a besoin pour atteindre la herse. Ouais, mourez. Bande de petits cons. Hop. Il y en a d'autres. Ne t'inquiète pas. Allez, on est fort. Vous y êtes presque. Ouais. Ah, Rodrigue, tu vas mourir. Non, c'est bon. Je dois juste. On y est, Rodrigue. Lâche ça. Viens à l'abri. Oh non. Non, non. Oh putain, c'était ridicule. Le boulet. Ah non, mon dieu. Ah, je suis mort comme une merde. Je me suis essayé, c'est bon. Ben non. Rodrigue, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à la derrière. Ça ne pardonne pas, ce passage-là ne pardonne pas. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Rodrigue, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, on y retourne. Surveille les gardes. Pas de piton. Hein. Heureusement qu'on peut tuer des gens, mais. Allez. Récupérons le caillou. Des soldats devant nous. Amicia, ils sont pour toi. Allez, vas-y, ouvre la porte. Ose ouvrir la porte, vas-y. D'accord. Hop là, on a reçu le commentaire. Amicia, ils l'ont touché. Rodrigue, lâche ce chariot, je t'en prie. Hop là, un autre. On a besoin pour atteindre la herse. Ok. Amicia, ils sont derrière. Salaud. Monstre salaud. Hop. Ok. Non mais. Bon, dernier essai. On va dire en version rapide. En version normale. Après, je ferai un accéléré parce que c'est plus que j'ai dit tuer les géants. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Rodrigue, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Blablabla. Cache-toi, Rodrigue. T'en fais pas pour moi, petit. Alors, on avance tout doucement. Allez. Pousse plus vite. Vas-y, Jean-Charles. Pousse plus vite. Allez hop. Un mort. Allez hop. Et un deuxième mort. Amicia, ils l'ont touché. Rodrigue, lâche le chariot, je t'en prie. Oups. J'avais oublié qu'il y en avait un troisième. Ah. Amicia, ils sont derrière. Allez. Voilà. Il y en a d'autres.
Allez. Non, je dois juste. Voilà. Souffler. On y est, Roderick. Viens à l'abri. Allez, c'est bon. On y est. Bon. Restez pas là. Venez, vite. Mais c'est sûr, enfin, c'est plus que deux flèches. Ça va un peu mieux. Je te suis. Bon. D'accord, est-ce que si les archers peuvent pas nous tirer dessus? Go, vas-y. Et là, paf! À toi. Bon, ben Roderick va nous laisser là. Voilà, dur, Roderick. Désolé. Je suis désolé. Putain! Putain! Ah. Bon, ben, Rodrigue est mort. Je pensais qu'il serait juste KO, mais non. Viens, il faut partir. Alors, il est mort de chez mort, ce coup-ci. Je pense qu'on va perdre tous nos amis au fur et à mesure. Bon, sauf peut-être Lucas qui lui a de l'avenir. C'est un alchimiste de talent. C'est pas vrai. C'est pas possible. Allez, je t'en supplie. Non. Allez. Ces bâtards doivent payer. Je vais leur faire payer. On doit d'abord rester en vie et grouper. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille. Enfin, l'autre il s'est pas vraiment sacrifié. Il a juste pas eu le choix. Ouais. Il se repose maintenant. J'en peux plus, Serra. Charogne, dégagez de là. Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Oh, mon Dieu, Hugo. Dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord, marche est conclue. Ok. Alors. Allez-y, les rats. Faites vous plaise. Bouffez-les. Alors. Un nouvel atelier. Est-ce qu'on va pour... Je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Alors. Que s'il nous donne des items comme ça. Non, toujours rien. Toujours rien. Oh, on arrive près de la cathédrale. Oui. Voilà. Ah oui, ils sont beaucoup quand même. Ils sont beaucoup, je dis. Ne touchez pas. Tu sais ce qu'il va se passer maintenant. Allez, inspire. Non, allez. Non. Non. Ah. L'autre, il a tenté. C'est ça qu'il faut. Allez. Voilà. Allez-y. Je m'y attendais pas à ça.
Bon, c'est con, hein. Bon, ceci, on s'en est un peu mieux sorti. Toujours un peu en mode bourrin, mais ça passe, on va pas se faire. Bon, c'est vrai que quand les rats ne sont pas contre nous, ça se passe un peu mieux. C'est énorme. Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Il va commencer. Oui. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Ok. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que les enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Hop. On est... Alors, du coup... Ah. Oui. Eh non, toujours pas. Eh hey. Ah par contre, j'en ai plus. J'ai plus de matériel. Puissance. Bien, allons-y, entrons. Ah, c'est quand même. Je pense qu'on va arriver à destination pour pouvoir buter l'autre. Tu parles d'une famille. Bon, je suis pas sûr que rester encapuchonné comme ça est très très utile. Alors. Ça ne vous mènera nulle part. Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman. Mon enfant. Hugo. Amicia. Mère. C'est Vitalis qui a fait ça. Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil. Fuyez, sortez d'ici. Ah, pour l'amour du ciel. Oui, mais ton fils aussi, il a passé. Hugo, tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors, on y va. Alors. Reste près de moi. On vient avec vous. Parti pour le combat final. D'accord, en fait on a juste à avancer. Hugo, ton pouvoir. Je vais bien, t'inquiète pas. Mais oui, Béatrice, c'est un élève doué. Dommage qu'il est oublié qu'il lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme la gueule. D'accord, et donc Vitalis va pouvoir nous retourner les rats contre nous. Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi. Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner. Et là, hop, il va se transformer en rat top géant. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Il est comme dégueulasse, ce petit jeu. Les entendez-vous? Les anges. Les anges du nouveau monde. Je ne m'attendais pas à cette vague blanche. Restez là. Non, je peux t'aider. Je peux. C'est notre sang. D'accord. Achève-le. Prends ta fronde. Ok. Rassemblez-vous et avancez. D'accord. Qu'est-ce que... Il les regroupe. Ok.
venu. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment. Moi. On doit essayer. C'est notre seule chance. Ok. Ok, bon. J'avais pas tout compris. Allez. Regroupez-vous donc et déferlez sur eux. On a dit que non. Il les regroupe. Ils s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Non. Faut peut-être pas avancer autant en bois, hein. C'est une bonne question. Unissez-vous pour les dévorer. Alors. Ils les regroupent. Alors. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment. On doit essayer. Okay. C'est notre seule chance. Couronné par le sang. C'est le sang de mon frère. Vous êtes un mutant fighter. Incroyable. D'accord, ça les envoie automatiquement. Okay. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Il est scellé. Non, c'est pas vrai. Allez, merde. Ouf. Allez. Allez. Non, non. J'arrête pas de mourir. C'est près du but pourtant. Bon. Ouais. On va y aller en douceur. Faut prendre le temps. Allez. Il y avait plein de rats autour de moi. C'est abusé. Voilà, alors déjà ça. Affrontez-les tous ensemble. Ensuite. Voilà. Je peux. On doit essayer. C'est notre seule chance. Bon, comme ça. C'est bien. Vous êtes venu me défier. Voilà. Incroyable. Oui, bravo Hugo. On va lui montrer. Couronné par le sang. C'est le sang de mon frère. Ah. Vous êtes un usurpateur. Elle a raison, Vitalis. Vous ne pouvez pas contrôler la Macula. Vous sous-estimez. Oui. Ouf. Aller à la fronte, c'était pas une bonne idée. Vaut mieux juste le lancer naturellement. Ça se passe beaucoup mieux. On est en train de l'avoir à pied. Oui,
Abandonnez, Vitalis. Arrêtez ça. Non. Hop. Non. Allez. Ouais, c'est là, tu pourras pas te sauver. Maman. Et c'est la mort de Vitalis. Il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là. Et là, hop, dans les rats blancs. On s'en occupe. Oui, après tout, elle a pris cher, la pauvre. Je suis l'unité. Je suis le sang des sangs qui relie tous les peuples. Reculez. Restez avec Hugo. Mourez. Redevenez un. Ok. J'ai pas tout compris de ce qu'il fallait faire. Ok. Ok. Ouais, non. Ok. Allez. Bon. Ok. Bon, je pense qu'il faut juste esquiver. Ok. Non mais oh. Bon, faut esquiver deux fois. Éviter d'y retourner. Allez, bien. Ok. Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament. Ok. Revenez vers votre maître. Ok. C'est pas si facile que ce que j'imaginais. Bon, on va juste récupérer les objets en attendant. Hop là. Ouais, non, le souci, d'accord. Ça tue vraiment tous les rats, donc c'est compliqué. Allez, nouvel essai. Hop. Voilà. Des anges s'abattront sur la vieille chaîne. Hop. Mes anges. Vous vous nourrirez bientôt. On peut rien leur faire. Pas mes rats. Amicia, les en défense. Regroupez-vous. Ouais. One shot. C'est impossible. Tu vas payer pour ça. T'en as encore une? Non, sérieusement. Genre, c'est le vieillard qui survit à ça. Ouais, on l'a refait. Je suis un poulet. Il faut sprinter, ça marche mieux. Bon. Allez, on la refait. Ok. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Allez, hop. J'ai besoin de pour le protéger. Non, non, c'est
C'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir. Il tombe vraiment bien. Hop. Ah. Une autre attaque. Ok. Ok. Allez, allez. Hop là. Encore une troisième fois. Oh, j'imagine. Okay. Oh. Je me suis fait enfermer comme une merde. Bon, du coup, globalement, il faut rester vraiment sur le côté. Ça va être au milieu. Ok. Allez. On va essayer de ne pas se faire avoir ce coup-ci. Concentré. Alors, très concentré. Ok. Allez, non, mais non. Je m'étais retrouvé trop loin pour le balancer à la main. Allez, on recommence. Ok, hop. Là, on ne veut pas mourir. Là, on ne veut pas mourir non plus. Voilà. Première phase très facile. De plus si je recrevais hein, le soir en disant ça. Ah d'accord. Je me pose la question de est-ce qu'ils aiment bien le. Est-ce que la lumière les bloque ou pas? Ouais. J'imagine qu'ils vont faire un peu ici. Ok. Je ne pouvais pas plus reculer que ça.
Bon, ce coup-ci, c'est la bonne, c'est la victoire. Allez. Je crois en moi. Je sais que vous, derrière votre écran, vous y croyez aussi. Et hop. Hop. Et hop là. Ok. Allez. Headshot. Est-ce que je peux descendre plus que ça? Non, je peux pas descendre plus que ça. Alors, ce coup-ci. On va faire comme ça. Voilà. Là, on va faire popper ici. Voilà. Là, pareil. Hop. D'accord. Alors. Non, mais... Ok, c'est bon. Non, mais non. Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas utiliser le repoussera. Bon. On essaie de recommencer. Hein. Alors, on refait. Hop là, on va petit côté là. Voilà. Ah, ça va, c'était pas trop dur. On va se mettre de ce côté là, ce coup-ci. Ok. Ok. Allez. Allez, on recommence. Voilà. Non mais, j'ai les rats... J'étais dans les rats noirs. Bon, l'arène est vraiment toute juste. Hein. Hop. Hop. Voilà. La première phase se passe plutôt bien. C'est pas qu'ils aiment pas les enfants. Ok. Là. Je pose ici. Voilà.
Hop là. Bon, faut que je fasse la même chose une troisième fois. Allez, on y retourne. Ensuite, on va y aller du côté droit. Ah putain! J'ai pas le temps d'aller à droite. Faut que je reste sur la gauche. Faut que je reste du côté où je suis. Je pensais pas autant galérer sur un boss comme ça. Faut que je me mette à peu près là en fait. Ouais, je pense qu'il y a moyen de tanker trois fois, enfin de mettre trois trucs du côté gauche. Hop. Ok. Donc là ça va. Là on a juste à éteindre. Voilà. Non mais... J'étais plus dedans. Attends, 1h03 de vidéo déjà. On n'arrive pas à battre le boss de fin, c'est ridicule. Allez. Hop. Hop là. Encore une fois. Ok. Allez Vera, faites votre office. C'est impossible. J'ai pas besoin d'aller chercher votre corpus. Venez à moi. Venez nourrir. Allez, on se concentre. Après, pour ma défense, il est 3h20. Il est un peu tard. C'est bon. Ok. Bon, il reste aussi trois fois du même côté. Il peut y arriver. Allez. J'espère que c'est bien la dernière fois. Allez. L'épée de lumière. Ce sol n'est plus à vous. Et mes serviteurs s'élèveront vers le triomphe. Oh, putain, je pensais. J'espérais survivre. Après, moult essais. On allait plus loin que quand en normal. J'optimise. Hop. Vous
Allez. Alors. Pour ça, venez à moi. Venez nourrir le premier sang. Ah bon, je suis plutôt pas mal là. Cette phase-là, elle est quand même relativement bien maîtrisée. Et peut-être qu'en commençant de ce côté-là, ça va nous porter chance. Je suis con. Bon, au moins je suis arrivé. Ouais. On déstresse. Et hop. En même temps, ça doit pas être cool de se prendre un raz-de-marée de rats sur la gueule. Ouais. Faut que je prenne l'habitude de me regarder, enfin de regarder derrière moi. Hein. Non, c'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang. Alors, on a refait. Moi, qu'est-ce que c'est? Hop. Là, pareil. Hop. Ça, c'est un combat de boss. Il est plutôt sympa ce boss là. Ok. 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 Okay. Oh, je crois que ce coup-ci ça a réussi. Oui, quel poil. Ouais. Eh bien, putain, 20-25 minutes de combat de boss. J'avais l'impression d'être contre Darishka dans Final Fantasy. Bon, il y a quand même plus d'action. Bon bah voilà, tu perds ton premier sang. Allez, déstresse, gamin, déstresse. Calme-toi. C'est fini. Résiste en le vide.
ce regard sans compassion. Ah, et c'est fini. Bon, je me permets de passer les crédits. Ah, bon, il y a un chapitre de clôture. Ok. Bon, je pense pas qu'il soit très long, donc je l'inclus dans cette vidéo. Parce que pour moi, bon, le fait de tuer le méchant, c'était la fin en soi. 3 jours plus tard. Merci, allez, madame Dame. On y va. Est-ce qu'on a tout? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman. Hein, comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Je suis pas sûr qu'il sera dans un château. Okay. Alors, tu as pu retourner chez toi? Oui. Denis est toujours là, mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Oh, Amicia, regarde. T'as tenté ta chance au tir? Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia? Petit jeu. Bon, d'accord. Mini-jeu, tout à fait. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête? Prête. Allez, Amicia! Ok. La dernière, où est-elle? Où est la dernière cible? Là. Hey, vous savez y faire, hein? Vous avez gagné une pomme. Et tout mon respect. Oui, d'accord. C'est la pomme cool. Est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey, on célèbre le 3e jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez, jetez un. Une foire? Une vraie foire? J'ai jamais vu une foire. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire. Allez. Hugo. Bon, mais on reste pas longtemps. Bon, ben maintenant c'est la fête. Regardez. Oh, le petit. Oh non. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Monde de bâtard. Un problème? Problème? C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Des gens importants. Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Hugo, viens. D'accord. Mais la foire. Viens. On pourrait s'infiltrer pour aller jouer, mais. Alors, on a sauvé tout le monde, mais. Hey, tout le monde ne nous aime pas. Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1. 2. 3. Hé! Sale gosse. Alors, on le laisse gagner ou pas? Je vais juste derrière toi. Tu peux pas me battre. Allez. Encore plus vite, grenasse. D'accord. Bah, effectivement, d'accord. On peut pas le battre. T'as gagné. Ouais. 20 pommes. On est là, Lucas. Bon, je pense que ça va être la cinématique de fin. Ça. Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Ah, il a compris que si on lui montait, c'était pour son bien. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps? Bon, finalement, la maman a survécu. Je ne pensais pas. Les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Je pense que c'est ainsi que se termine l'aventure. Donc c'était A Plague Tale. Hugo, quoi? Tu me trouves jolie comme ça? Innocence. Pourquoi elle est innocence? Parce que t'es vilaine.
Peut-être parce qu'il y a un petit garçon innocent qui est concerné, je ne sais pas. Une mouche ? Ta propre sœur ? Oh, cela mérite châtiment. Bon. Et finalement, ils deviennent vraiment frères et sœurs. Il aura fallu que leur père meure, qu'il y ait une tonne de villageois qui meurent, une tonne de soldats, une tonne de rats aussi. D'accord. Mais c'est ainsi que s'achève cette aventure qui était franchement sympathique. Alors je ne sais pas du tout si ça vaut une excellente note, etc. Mais ça vaut une bonne note, c'était une belle aventure. Voilà. Donc si jamais vous regardez ces vidéos, je vous déconseille de jouer parce que le gameplay n'apporte pas grand chose, entre guillemets, vous connaissez l'histoire. Si jamais vous trouvez par hasard à ce passage-là de la vidéo, etc., bah, arrêtez de regarder, achetez le jeu et jouez. À l'heure actuelle, il est sur le Game Pass Xbox sur PC, donc je vous conseille de le prendre. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et voilà comment s'achève l'histoire de Plague Tale. Ciao tout le monde.